Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien je m'appelle Carole. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, vous allez voir, vous pouvez sans doute voir ce qui se passe un petit peu sur cette table, eh bien j'aimerais vous parler de se fixer des objectifs. En début d'année, chaque année, eh bien j'essaie de me fixer des objectifs pour l'année, afin eh bien, de pouvoir eh bien, on va dire mettre des priorités, pouvoir eh bien, avoir des choses sur lesquelles je peux eh bien, me concentrer et surtout eh bien, pouvoir voir mes rêves, mes désirs se réaliser. Et donc rien de tel que donc d'avoir des objectifs. Comment je le fais? Alors je ne le fais pas sous forme de, comment dire, de plan, de dire voilà, de décrire littéralement ce que je vais accomplir dans l'année, ce qui n'est pas une mauvaise idée, c'est une très très bonne idée, mais moi je le fais de manière créative. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu eh bien, mes vidéos précédentes où je parlais de tableau de vision, tableau de visualisation. Eh bien, aujourd'hui, enfin, eh bien, je vais vous montrer de quoi je parle. Alors, si vous n'avez pas encore vu eh bien, mes vidéos précédentes, il y aura un lien où vous pourrez voir la vidéo pour laquelle dans laquelle je parle du fait de l'importance donc d'avoir un tableau. Et surtout, pas seulement de l'importance, mais aussi eh bien, de vraiment voir de la puissance en fait, de la visualisation. C'est vraiment, vraiment important. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Et je peux vous assurer que eh bien, j'ai vu des résultats. Il n'y a rien de tel que de, effectivement, de voir chaque jour ces rêves se réaliser. Alors, donc, je ne vais pas perdre de temps. Je vais vous montrer plus ou moins eh bien, ce que je fais. Alors, si effectivement, vous n'aviez pas vu, vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, eh bien, un tableau de vision, ça se présente un petit peu comme ça, donc on a plusieurs. Donc, ça se présente en fait sous ces genres de formes-là. Et moi, alors, effectivement, ce que je fais, c'est que j'aime avoir donc des images, des mots qui me parlent, peut-être même, oui, des symboles ou, logos, ou des versets, des choses. Donc vraiment, c'est on va dire que chaque tableau de vision est propre à vous. Donc c'est à vous de définir comment vous voulez que votre tableau de vision soit présenté. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous trouviez des choses qui vous parlent. Et que lorsque, à chaque fois que vous regardez dans votre tableau, eh bien, vous puissiez voir, effectivement, vous voir faire ces choses-là, vous voir devenir cette personne, etc. Donc en fait, lorsque moi je parle de tableau de vision, c'est non seulement donc dans l'action, donc de faire des choses, mais aussi dans ça peut être le caractère, donc par exemple ou des adjectifs, c'est-à-dire que j'ai envie de voir certains adjectifs, par exemple de voir que je suis en bonne santé, de voir, par exemple, que je suis épanouie. Donc, des choses comme ça. Et ça peut être aussi, donc, comme je dis, dans l'action. Donc, par exemple, avoir un nouveau boulot, si c'est ce que vous voulez voir se réaliser. C'est peut-être acheter une maison, si c'est ce que vous voulez voir se réaliser. Ça peut être aussi dans les relations, puisque c'est ce que j'ai fait, effectivement, lorsque j'avais vraiment ce désir fort de me marier, d'avoir aussi un enfant. Eh bien, j'ai en fait mis cela dans mes tableaux de vision afin de voir eh bien mes désirs se manifester en réalité. Donc voilà, donc la façon dont je le fais, donc je vous ai simplement montré ça, mais je vais vous montrer en fait mon dernier tableau. Alors vous pouvez le faire donc sous forme A3 ou alors juste A4, donc vous pouvez avoir la moitié, vous pouvez le faire encore plus petit, vous pouvez le faire encore plus grand, donc c'est vraiment à vous de voir. Donc ça, c'est un de mes derniers que j'ai encadré et que j'ai mis en fait dans ma chambre afin effectivement de pouvoir chaque matin voir mon tableau et puis effectivement me projeter et voir des choses se réaliser. Et ce qui est bien, c'est qu'après on peut effectivement cocher en fait chaque chose que vous voyez en fait qui s'est réalisée. Et donc voilà. Comme je l'ai dit, regardez la vidéo précédente que j'ai faite et ça vous permettra effectivement d'avoir une définition plus détaillée de ce que c'est.
Mais ce que moi, je vous conseille d'avoir, c'est donc d'avoir des journaux. Et donc, en termes de journaux, il n'y a pas vraiment de... c'est à vous vraiment de voir quel type de journaux. Moi, j'ai tout type de journaux. J'en ai un, par exemple, qui parle donc de tout ce qui est maison. J'en ai un autre qui parle donc de santé, de la femme, journaux pour, voilà, pour les femmes. J'en ai un autre qui parle de la psychologie, par exemple. Et j'en ai en anglais et j'en ai en français. Donc, ce qui est intéressant, j'ai aussi un journal en fait donc chrétien, puisque en fait, moi je m'intéresse aussi à ma vie spirituelle. J'en ai un par exemple sur le sport, donc courir, etc. Voilà, j'ai toutes sortes de journaux. J'en ai donc, comme je l'ai dit, j'en ai donc vous voyez, j'en ai beaucoup en anglais, mais j'en avais, il me semble, en français. Alors peut-être pas ici, parce que j'ai pas tout ramené, parce que j'en ai énormément. J'ai beaucoup de journaux. Voilà, par exemple, j'en ai un, donc c'est sur Vogue, donc Fashion. Donc j'ai vraiment toutes sortes, oui, comme j'ai dit, de journaux. Ah oui, et puis oui, celui-là, effectivement, donc celui donc où je vous parle de sport, celui-là est en français. C'est en français. Même si ça s'appelle Runners, c'est en français. Donc il y a plein de choses que j'ai. Et que, évidemment, bah, selon si vous parlez français, vous n'aurez que des journaux en français. Mais vraiment, j'ai envie de vous conseiller de ne pas vous limiter dans le type donc, de magazine que vous utilisez. Donc, vous pouvez utiliser des magazines, des journaux. Vous pouvez aussi utiliser donc, des autocollants. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais j'ai des autocollants. Donc là, c'est un peu des papillons. J'ai tout type donc d'autocollants avec donc des mots dedans. Vous pouvez aussi utiliser des crayons si vous préférez effectivement écrire vous-même certains mots sur votre papier. Vous utilisez aussi donc simplement du papier, voilà, A4 normal. Donc moi j'ai tendance des fois à utiliser soit juste une seule feuille de papier, mais si vous avez beaucoup de choses que vous voulez mettre, eh bien, vous pouvez simplement coller vos feuilles de papier ou alors acheter la taille donc, de papier que vous souhaitez. Il vous faudra évidemment donc, des ciseaux, de la colle et puis peut-être aussi du scotch si vous préférez utiliser du scotch. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai déjà découpé en fait donc, mes feuilles. Et en fait, lorsque effectivement vous utilisez donc des magazines, eh bien c'est simplement, je vous conseille juste de feuilleter le magazine et de découper en fait soit des mots vraiment qui vous parlent, soit correspondent à des choses, à des désirs que vous avez, vraiment des choses que vous voulez accomplir, des choses que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Et ou alors des images. Donc ça peut vraiment être aussi donc des images. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai déjà découpé, pré-découpé. Et donc j'ai vraiment, voilà, j'ai pas mal de choses. Donc vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir autant de choses. Il n'est pas forcément dit que je vais tout utiliser, mais ce sont des choses qui m'ont parlé au moment où effectivement j'ai fait, j'ai feuilleté donc mes magazines. Donc par exemple, là j'en ai un qui dit New Year's. A new year, new idea. Donc ça veut dire nouvelle année, nouvelles idées. J'ai par exemple un qui dit inspiration, donc inspiration, où j'ai envie de me sentir inspiré. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Un qui parle de poursuivre sa passion. Donc si par exemple vous intéressez, donc là c'est poursuivre sa passion. Et j'ai par exemple aussi des images donc de culinaire. Donc c'est vraiment des choses, toutes choses qui vous parlent, que ce soit en fait dans les images ou des mots. Eh bien c'est vraiment, voilà, de choisir cela. Ensuite, une fois que vous aurez donc découpé, eh bien les choses qui vous parlent, et comme j'ai dit, hein, ça peut très bien être même deux choses que vous avez qui vraiment, pour lesquelles vous voulez vous concentrer pour l'année. Donc comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de mots ou d'images, pas du tout. Ça pourrait même être juste un mot pour toute l'année. Ça pourrait être juste une image qui vous parle vraiment. Donc c'est vraiment, comme je dis, à vous vraiment de voir ce qui vous parle en ce moment. Voilà.
Et comme j'ai dit, une fois que vous aurez tout cela, eh bien c'est à vous donc de mettre là ça sur papier. Alors je vais le faire, puisque je ne vais pas perdre de temps, et je reviens avec vous, vers vous une fois que j'ai maintenant mon tableau de vision eh bien, fini et prêt eh bien, à être mis sur mon mur. A tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis habillée différemment parce qu'en fait, j'ai finalement complété donc, mon tableau un autre jour. J'avais pas le temps de le faire le jour même, mais je suis super contente. J'ai terminé, j'ai pu faire donc tout mon découpage, mon assemblage, mon collage, et j'ai enfin mon tableau de vision dans un cadre que j'ai déjà mis et que je peux mettre, que j'ai déjà mis maintenant sur mon mur dans un petit coin de ma chambre. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est une sorte de satisfaction, de soulagement, d'avoir quelque chose que vous pouvez regarder pour l'année, vous mettre des objectifs, vous mettre, voilà, avoir un peu d'inspiration et de pouvoir cocher donc de tout ce que vous avez pu manifester dans l'année. Et une petite recommandation que je vais vous faire avant de vous quitter, c'est de ne pas vous limiter dans le temps. C'est-à-dire que nous soyons en janvier, février, mars et même octobre, novembre, vous pouvez toujours commencer votre tableau de visualisation. Ne vous limitez surtout pas dans le temps parce que vraiment, vous pouvez accomplir toute chose maintenant. Et d'ailleurs, pas forcément même dans l'année. Votre tableau de visualisation vous servira pour les années à venir en fait. Vous verrez des choses se manifester, pas forcément tout de suite, mais dans quelques années. Et vous pourrez toujours revenir là-dessus et vous dire « Waouh, j'ai effectivement accompli cette chose » ou « Cette chose a été vraiment manifestée dans ma vie ». Donc, il n'y a rien de plus satisfaisant de pouvoir voir des choses que vous aviez déjà en tête des années auparavant ou même des mois auparavant, des semaines auparavant, et puis les voir effectivement se manifester dans votre vie. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et aussi, vous pouvez non seulement donc faire un tableau donc de visualisation pour vous-même, comme moi je le fais, moi-même, mon mari aussi a son propre tableau de visualisation, et vous pouvez aussi le faire en tant que couple. Vous pouvez aussi créer un tableau de visualisation familial. Vraiment, c'est à vous de voir comment vous voulez voir les choses. Voilà, soit vous pouvez le faire individuellement, mais aussi en groupe, etc. Donc, je vous souhaite bon courage, je vous encourage vraiment à le faire pour vous-même. Vraiment, vous verrez des choses que vous ne pensiez pas qui pouvaient arriver, en fait, arriver. Et moi, je dis, je pense vraiment, vraiment fortement que c'est lorsqu'on commence à mettre des choses, effectivement, sur papier, à faire une action et ensuite les choses arrivent. Donc voilà, je vous laisse sur ce et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage.